C'est la colle. La colle forte, elle est blanche, mais quand elle sèche, elle devient claire. Tu dois bien centrer au milieu. Parce qu'on va couper les excès et puis on va poncer. Tu laisses sécher ça peut-être pendant une heure de temps. Celui-ci est déjà sec. Tu prends les ciseaux, tu coupes l'excès. Ce sont des sous-verres pour les femmes. Quand tu as coupé, je ne sais pas comment on appelle ça en français. En anglais, c'est sandpaper. Ça joue le rôle de... pour limer les ongles. Sandpaper. Tu ponces les bords. Quand tu as fini de poncer les bords, ça, ça joue le même rôle que ça. Mais ça, c'est le spray. Tu sprays et tu vas laisser ça peut-être pendant une heure ou deux heures de temps. Après, tu as ce résultat. Ça, c'est bien sec. Après, c'est l'emballage. Ça, c'est le gros, le ruban. Ça, c'est le pistolet à colle. Quand tu appuies ici sur la gâchette, ça sort la colle. Ça, c'est les cœurs en éponge, juste pour embellir l'emballage, quoi. Donc, je vais prendre deux cœurs, un gros et un petit. Je vais prendre le gros aussi. C'est des cœurs adhésifs.
Je vais prendre un petit cœur. Celui-ci. Donc, je vais décoller le derrière. Je vais prendre aussi le petit ci. Je décolle le derrière. Ça donne ceci. Et là, c'est prêt à vendre. C'est prêt à vendre. Mais ça, je ne vais pas vendre. J'ai fabriqué ça pour Chantal là, ici. Donc, je vais lui envoyer ça en France. Avec les autres colis que j'ai déjà fabriqués pour les gens. Donc, c'est prêt. C'est prêt à vendre. Je ne vais pas vous donner le prix. Je ne vais pas vous dire combien je vends ça ici. Mais c'est prêt à vendre. Les sous-verts glamour pour les femmes. Nous avons les gris. J'ai beaucoup de sous-verts. Ça, c'est pour les femmes. Je vais aussi vous montrer comment je fabrique pour les hommes. Celui-ci que j'espère, je vais attendre que ça sèche. C'est tout. J'achète ça comme ça, ou ceux qui sont blancs là, et puis je fabrique quoi. Je fabrique à ma façon. C'est ce que les crafteuses font. Ok, merci de me suivre. Portez-vous bien, je vous aime. À la prochaine. Bye bye.